Nordic. Les championnats de France de ski de fond d'été se sont déroulés à Arçon, dans le Haut-Doubs, dans un stade que les biathlètes connaissent bien. Deux jours de compétition ont permis de distribuer des titres convoités par les meilleurs fondeurs français. Le samedi, les sprinteurs étaient à l'honneur, le style classique de rigueur. Chez les dames, Léna Quintin faisait figure d'épouvantail. La Borvandine maîtrise l'exercice estival. Elle a déjà gagné à deux reprises. Jamais 203. Sur le massif du Jura, elle conservait sa couronne. Mais pour franchir la ligne d'arrivée en tête, il lui a d'abord fallu se défaire des griffes de Mélissa Gall et des Vendines du Chauffeau. Vous avez joué devant toute la journée, que ce soit les qualifs jusqu'aux phases finales et à la finale. Eh ben ouais, très bonne journée. J'ai bien réussi à faire mon ski devant. Je pense que c'était un peu la bonne stratégie parce que ça s'accrochait pas mal dans le dernier virage. Et ouais, bien fini, encore un peu dur en finale pour en remettre. Et on s'est bien battu avec Mélissa Gall qui finit deuxième là. Donc très belle journée. Evandine Duchaufour n'est pas repartie les mains vides. Elle a été titrée chez les U23. Du côté des U20, c'est Léonie Besson, du club des saisies et membre du FECLA Formation Longue Distance, qui montait sur la plus haute marche du podium. France Pignot et la Suissesse Noémie Charrière suivaient au classement. Quatrième de la finale, Léonie Perry s'emparait donc de la médaille de bronze. En U18, le sacre national est revenu à la Savoyarde Daphné Patois, vainqueur de la qualification. Toujours en U18, mais chez les hommes cette fois, c'est Luigi Bancoli qui a levé les bras en franchissant la ligne d'arrivée. C'est Luigi qui va aller chercher le titre. Le Montblanais a été plus fort que Quentin Viguier, qui avait impressionné le chronomètre plus tôt dans la journée. En U20, Yvan Essonnier a lui aussi passé une bonne journée en Franche-Comté. Le Féclasien a devancé Mathieu Blanc et le Cluse Titouan Blanchard. Rémi Bourdin s'emparait lui de la médaille d'or des U23. Avant de prendre la direction du glacier autrichien de Ramsau, les stars des collectifs fédéraux n'ont pas voulu manquer cette ultime compétition de l'année disputée sur les skis-roues. Sur les pistes du stade Florence Bavrel, tous souhaitaient faire tomber Richard Jouve, vainqueur du dernier globe de cristal de la spécialité. En costaud, le Bornandin Lucas Chanava, large vainqueur de la qualification avec plus de 4 secondes d'avance sur son coéquipier, tirait d'ailleurs la première flèche. Lors des phases finales, Richard Jouve reprenait la main. Dernière course, il disposait de ses adversaires, dont un menaçant Thomas Joly, jusqu'à ce que le fondeur de la ski classique ne chute. Richard Jouve s'offrait un titre national qui lui avait échappé l'été dernier à Uriage-les-Bains. Le titre pour Richard Jouve. C'était une dure bataille sur la fin, surtout stratégique. C'était pas forcément le plus fort qui gagnait, c'était vraiment tactique parce que l'arrivée était en descente avec du vent et du coup... Fallait réfléchir. Quoi. Logiquement, Lucas Chanava se voyait offrir la médaille d'argent. Ouais, bah c'est moi ça s'est mal goupillé sur la fin et c'est vrai qu'avec la chute au demi-tour, ça m'a un peu mis derrière et du coup mis dedans. Devançant Jules Chapaz, Théo Chély et Thomas Joly, Renaud Jet, de son côté, prenait la troisième place. Ouais, ça confirme mon été, on va dire mon bel été avec déjà les courses en Norvège, le Martin Fourcade. Donc voilà, c'est clair que ça fait toujours du bien et ça permet d'aborder un peu plus sereinement le sprint final de la préparation. On venait avec l'ambition de travailler. Le sprint d'Arsan nous permet de vraiment travailler les lignes droites. Et on a travaillé 4 fois sur la qualif, le quart, la demi, la finale. Donc ça, c'était quelque chose d'important parce qu'il y a peu de chances qu'on puisse reproduire ça beaucoup d'ici la Coupe du Monde.
Donc c'était une formidable opportunité et je tenais vraiment à ce qu'on puisse travailler tout ça. Dimanche, sous un beau soleil automnal, les athlètes ont rechaussé les skis ronds pour disputer un individuel libre. Immense favorite de la course chez les dames, Delphine Claudel, qui compte parmi les meilleures distanceuses de la planète, a une nouvelle fois prouvé sa supériorité sur le ski de fond hexagonal. Sur les 9 km à parcourir, elle a été supérieure en tout point. Elle a gagné avec 24 secondes 4 d'avance sur sa coéquipière, Flora Dolci. On revient d'une semaine récup, donc un petit peu difficile de se remettre dedans, mais voilà, ça valide le travail aussi qu'on a fait. Et maintenant, prêt pour le stage qui arrive. La médaille de bronze est revenue à Juliette Ducordeau. Derrière la fondeuse du Vercors, Coralie Ben s'était privée de podium pour 4 dixièmes. Du côté des U23, c'est Julie Pierrel qui remportait le titre national, devançant Margot Gaillard et Evondine Duchaufour. Septième au scratch, France Pignot était distinguée chez les U20. Liv Koupa et Léonie Besson complétaient le top 3. Les hommes nous ont réservé une belle surprise. C'est en effet un biathlète qui a tout bonnement remporté le titre national de l'individuel skating. Corentin Jacob a en effet été plus rapide que ses adversaires fondeurs. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, puisqu'il a devancé Yvan Essonnier et le Suisse Pierrick Cottier de plus de 27 secondes. Quatrième au scratch, le Jurassien Esteban Javot s'emparait de la médaille de bronze pour 3 dixièmes par rapport à un autre biathlète, Martin Bottet. L'an dernier, Camille Laude avait brillé sur le bitume de Champs-Rousses. En 2022, c'est un très bon ami qui lui a succédé. Dans le Haut-Doubs, Hugo Lapalue est devenu champion de France de l'individuel. Le but, c'était de faire le meilleur résultat, mais surtout de mettre tout ce qu'on avait. Donc voilà, j'ai pas lésiné dans l'effort. De toute façon, quand on fait du ski de fond, on n'est pas là pour se faire de cadeaux. Donc non, c'était une belle course aujourd'hui. Tout au long des 16 km du parcours, le sprinter Renaudet a été le plus menaçant. Je m'attendais pas forcément parce que c'est pas forcément. Je suis quand même plutôt sprinter et du coup derrière j'ai vraiment essayé de tenir mon rythme. J'ai eu un peu un coup de moins bien quand même dans le dernier tour, ça commençait à être un peu dur et du coup voilà, bah, Hugo il me reprend. Il y a quand même pas mal de gars qui me reprennent une dizaine de secondes sur le dernier tour, donc voilà, mais c'est quand même une bonne course aujourd'hui. Derrière, le chartreusin Victor Lovera, sacré chez les U23, tirait son épingle du jeu. Troisième à 28 secondes 7, il damait le pion à Clément Paris, Théo Chély et Simon Chappaz. À peine la dernière course était-elle disputée que les fondeurs de l'équipe de France faisaient leurs valises et prenaient la route direction l'Autriche. Le stage de Ramsau, c'est un stage toujours vraiment important pour nous. Pas forcément pour l'altitude, mais vraiment pour la neige, ce qui est là-haut dans des bonnes conditions, j'espère. A priori, ça va être bien. Et oui, on va encore faire des intenses en fin de semaine prochaine. Donc on va continuer à leur tirer un peu dessus pour qu'on amorce le début et la fin de la préparation et le début de la saison dans les meilleures conditions possibles. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher.